cité. Ce qui m'intéresse beaucoup chez Marie Salentin, là, en tant qu'amateur de peinture, c'est sa capacité à faire une synthèse, parce qu'elle a une grande culture, des siècles passés, de la peinture des siècles passés, et donc de nous montrer une réinterprétation en quelque sorte de ce que beaucoup ont déjà interprété, beaucoup de ses prédécesseurs, ses grands prédécesseurs, que ce soit en Italie. Et dans la peinture de Marie Salentin, il y a capacité extraordinaire, je trouve, de passer de ce que j'appelle, moi, alors, du défini à l'indéfini. Un caractère universel, intemporel. Et ça, c'est vraiment très fort, très intéressant, de ne pas coller à une époque, mais de s'inscrire dans une durée. En littérature, on parle d'intertextualité, c'est-à-dire, en fait, ce qu'un texte a de commun avec tous les textes en général. Eh bien, moi, je parlerai à propos de sa peinture d'interpicturalité. Permet de rattacher les mythes et les scènes qu'elle illustre à toute l'histoire de la peinture, au moins depuis 500 ans. D'où le retour aussi intéressant à Jérôme Bosch. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est hors du temps, et l'impression, elle est forte. Il y a de la couleur, il y a de l'énergie, en fait, c'est ce qu'on sent. Le mouvement, beaucoup de mouvement. Effectivement, affrontement, mouvement. Je ne suis pas un peintre statique, pourtant j'aime énormément Matisse. Mais je trouve, par rapport à... Moi, j'ai besoin de choses mouvementées, qui se contrarient. Et oui, ces histoires d'ascension, les anges, et puis les précipitations dans l'enfer, vers le bas. Et là, par rapport à la fin des temps, à la lutte des anges rebelles, à la résurrection de la chair, j'ai vu que je pouvais insérer la montagne, avec cette idée aussi de fin du monde, vous savez, les montagnes qui s'écroulent, la mer qui s'élève. Et comme je suis aussi très tournée vers la peinture chinoise, c'était l'occasion d'essayer.